Un pick-up a foncé sur la foule qui assistait à un défilé très populaire du Mardi Gras de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Au moins 28 personnes ont été blessées, dont un officier de police. Au moins 5 se trouvent dans un état critique. Le pick-up a terminé sa course en percutant un camion poubelle. Le conducteur a été immédiatement arrêté. Plusieurs témoins affirment qu'il n'était pas dans son état normal, sans doute en état d'ébriété. La thèse de l'acte terroriste serait écartée selon la police. Ce n'est pas le seul incident qui a émaillé les festivités du Mardi Gras. Plus tôt dans la journée, un coup de feu a été tiré accidentellement, faisant un blessé.